Bonjour à tous. Toute l'équipe de Mon Chalon TV et de Radio Éducation est encore très heureuse de vous accueillir en ce samedi 5 octobre 2019 pour votre émission hebdomadaire Un regard nouveau sur la société. Nous sommes en direct sur YouTube, Mon Chalon TV, Radio Éducation, mais aussi sur Facebook et sur un plateau Skype, Radio Éducation. Donc, heureux de vous accueillir tous ceux qui nous saluent déjà sur le chat YouTube. Olivier Carola, Manu 35, Virginie 41, Doudou, Pourtou, Marise, et nous saluons tous ceux qui nous rejoindront en cours d'émission. Le temps pour nous aussi de nous excuser pour la semaine dernière où vous avez pu constater que nous avons eu une interruption de connexion. Donc aujourd'hui, nous espérons que la connexion nous permettra d'aller au terme de notre émission, sachant que l'émission a pu être intégralement enregistrée en audio. Donc pour ceux qui sont soit sur les groupes WhatsApp et même sur Radio Éducation, ils pourront l'écouter en intégralité. Voilà, donc sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons de l'imagination. Alors, souvent relayée dans le domaine de l'irréel, de l'illusion, dans le domaine de l'enfant, du rêve. Et pourtant, on constate que les mouvements, les déploiements au quotidien ne sont peut-être alimentés que par la notion de l'imagination, de l'imaginaire. Et oui, les concepts de richesse, les concepts de bonheur, les concepts de réussite, les concepts de salut, de paradis, de justice, ne sont-ils pas le fruit de l'imagination? Une imagination collective, bien que subjective. Effectivement, lorsqu'on regarde un enfant qui vient d'arriver au monde, comme on dit, il n'existe pas dans ces concepts de richesse, de pauvreté, de justice, sont du domaine de l'abstrait pour lui. Et pourtant, il suffira quelques années pour que lui aussi soit mis en mouvement par ces mêmes concepts. Donc on comprend que l'imagination, l'imaginaire, l'image en action est le fruit d'une construction. Alors, comment se construit-elle, cette construction exogène, et par qui et dans quel but? Et puis, il semble que pour certains, comme les scientifiques, on a pu avoir quelques citations de Albert Einstein, les politiciens comme Martin Luther King, les artistes comme Charles Aznavour ou encore nos réalisateurs du 7e art, l'imagination semble être un puits de ressources inouïes qui façonne des générations et construit même la réalité de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Alors pourquoi, si pour certains elle est un puits de ressources inouïes, elle reste un domaine qui semble être inhibé, voire stigmatisé pour la plupart des populations? Donc l'imagination, qui est-elle réellement? Qu'est-ce qu'elle est réellement? Comment est-elle construite et dans quel objectif? Et quelle est sa portée dans notre quotidien? Voici un petit peu quelques questions que nous allons aborder avec nos intervenants aujourd'hui. Donc on commence en donnant la parole à Thierry Aimé-Bitang du côté de Kozoa. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Angéline, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour cette introduction et thème très intéressant, encore une fois. Quand on touche à l'imagination, on touche au quotidien de nous tous, même si certains d'entre nous ne le percevons pas. Donc, je vais axer mon propos sur 3 ou 4 points. D'abord, une définition. Définition usuelle, quand vous prenez les supports, un support numérique, Google par exemple, on va vous définir l'imagination comme une faculté. Une faculté qui va conférer à l'individu la capacité de se représenter des images en esprit, de se représenter des images dans la pensée. C'est comme ça qu'on va définir l'imagination au niveau usuel. Et ils vont compléter en disant que ces images-là peuvent être des images que l'individu a acquises dans son expérience ou alors des images que l'individu crée. Cela étant dit, je souligne tout de suite un premier point qui pour moi est très important, c'est de dire que les images, je veux dire, l'imagination est inhérente à ce que l'individu est. On ne peut pas
dissocier l'imagination de la compréhension que l'individu est. Autrement dit, ce n'est pas l'individu qui imagine, mais c'est la source qui lui communique les images, qu'il en soit conscient ou pas. Donc, la question qui transparaît derrière, c'est pourquoi certains ont conscience de du fait que c'est la source, c'est une source qui les transmet les images, et d'autres pensent que c'est eux qui imaginent. Et là, à partir de là, on va entrer dans notre quotidien pour comprendre comment est-ce que nous avons été construits. Comment est-ce que l'imagination a bâti tout ce qu'on peut voir. Vous pouvez, chacun de nous peut vous regarder. Hein. Regardez, par exemple, chacun d'entre nous est vêtu, par exemple. Chacun d'entre nous porte des chaussures. Mais toutes ces choses qu'on voit, ce sont les fruits de l'imagination des individus. De l'imagination, ce sont des fruits de l'imagination. Mais comment certains arrivent à imaginer et à rendre visibles des choses et d'autres en sont totalement incapables, en sont totalement coupés. Et là, on entre dans l'univers de la construction. Comment les individus ont été bâtis? Comment est-ce que les individus se pensent? Parce que chacun, la façon dont on se pense révèle la source, en fait, qui nous communique ce que nous sommes. Parce que aucun d'entre nous n'a un moi qui lui est propre. Donc, à partir de l'idée, c'est l'idée que chacun a de lui qui transparaît dans ce qu'on appelle imagination. Si on prend l'exemple d'un enfant, l'imagination d'un enfant n'est pas dissociable de l'idée que l'enfant va se faire de lui et de l'adulte qu'il sera demain. Parce que c'est l'imagination qui va construire ce que l'enfant sera demain. Parce que vous vous rappelez, on a parlé il y a quelque temps du thème des mots et des images. Quand on parle de l'imagination, on parle du volet image de la construction de l'individu. Parce que l'individu a été construit à partir des mots et à partir des images. Comment est-ce que cela se fait? L'enfant commence à être construit dans le ventre de sa maman. Je veux dire quoi? On va dire, ça commence, ce qu'il est, qui vient des parents, commence à se construire dans le ventre de la maman. Ce qui fait que quand l'enfant sort du ventre, au niveau instinctif, il a déjà un imaginaire. C'est ça qui fait qu'il pleure. Parce que quand il entre dans l'environnement, dans cet environnement visible, il va pleurer. Ça veut dire qu'il il identifie l'espace dans lequel il entre comme un danger. C'est ça qu'il pleure. C'est quelque chose qui lui est étranger. Et au fur et à mesure, c'est les parents. Quand on parle de parents, ne le limitez pas au niveau des géniteurs. Certes, les géniteurs vont jouer un rôle très important au début, mais on est dans un environnement où on a de multiples parents. Les parents vont construire l'imaginaire de l'enfant. Et là où les choses commencent à, là où la différence commence à se faire entre les individus, c'est que l'environnement externe s'est organisé pour garder, pour donner à l'individu des images qui vont construire sa réalité et le connectant ainsi de l'imaginaire, de la connexion naturelle qu'il peut avoir avec son origine, quoi, avec sa source. Comment ça se passe? Quand l'enfant entre là, au début, il est très curieux. Il perçoit des choses d'une certaine façon et il pose beaucoup de questions. C'est parce qu'il a un imaginaire qui est en train de se construire au niveau des images. Parce qu'on a des images et on a des mots. Mais au niveau des images, c'est qu'il est en train de se construire. Donc, après, on prend l'enfant, on l'amène à l'école conventionnelle. Je parle de notre cas actuel. On l'amène à l'école. L'école, quel est le rôle de l'école? L'école a pour but de construire une base de données dans l'enfant. On va dire une banque d'images auxquelles on va associer des mots.
Donc, on va construire dans l'enfant une banque image et on va y associer des mots. Et ce qui fait que cette banque image va isoler l'enfant de la source naturelle qui peut construire son imaginaire. Alors que d'un autre côté, ça c'est pour la majorité des individus, d'un autre côté, il y a ceux qui se construisent à partir de la source. Ils ne sont pas construits par la société visible. C'est-à-dire par les images, voilà, sont ceux qui ont la capacité d'imaginer ce qui n'existe pas, ce que les gens ne voient pas. Ils imaginent ce que les gens ne voient pas. Parce qu'on les a construits, on les a connectés à source, on les a connectés directement à la source. Ce qui fait que c'est à la source qu'ils s'approvisionnent pour rendre visible. Donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, ce genre d'enfant qui se... Bien sûr, c'est les parents qui transmettent ça à leur enfant. Parce qu'ils transmettent ce qu'ils sont à leur enfant. Ils vont connecter leur enfant à la source. Ils ne vont pas connecter leur enfant à la société. Donc, vous allez voir, ce type de parents, ils vont dire que l'enfant... Les objets auxquels l'enfant est en rapport sont contrôlés au millimètre près. On va dire à l'enfant, il ne voit pas la télé. On va dire que le téléphone, par exemple, il n'a pas accès au téléphone avant un certain âge. Donc, ils vont instituer des règles, ils vont imposer des règles à l'enfant de façon à ce que l'enfant puisse se connecter à la source dont eux, ils sont l'émanation. Pour qu'ils atteignent un niveau de perception plus élevé et qu'ils aient la capacité, non pas de se connecter à une banque d'images préétablie par des individus, mais de se connecter à leur source. C'est ces individus qui ont la capacité d'inventer. On dit on invente, on dit on crée. On vous dit, je prends un exemple banal, nous sommes en train de communiquer à travers un outil qu'un individu a imaginé et qu'il a rendu visible. Mais ça a commencé par l'imagination. Il y a quelques années, on n'avait pas ces outils-là, on n'avait pas de tablettes. Il y a encore quelques décennies, il y a des gens qui n'ont pas connu de... Je crois que Luc est là, il y a des aînés qui n'ont pas connu d'ordinateur, ils ne savaient pas. Il y a une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, mais il a fallu que quelqu'un imagine que la source alimente une de ces émanations pour que l'ordinateur soit visible. Pour nous déplacer, on utilise des voitures, mais les voitures, avant de devenir visibles, c'est l'imagination d'un individu. Donc, c'est dans l'esprit d'un individu. Et il rend ce qui est dans son esprit visible. Et c'est à partir de là qu'on voit le rapport entre l'imagination et la science. À partir de là qu'on voit le rapport entre l'imagination et la science. Parce que quand on dit imagination, expérimentation et expérimentation, c'est ça qu'on appelle la science. L'imagination associée à l'expérimentation, la science, parce que quand on expérimente, on voit si ce qu'on imagine est réel ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on expérimente, c'est là où on peut voir si les concepts qu'on a imaginés sont vrais. Parce que si on imagine des concepts, on a des images mentales, mais on ne les expérimente pas, on n'est pas dans la science. On est dans l'illusion. Et la plupart d'entre nous ont été enfermés dans l'illusion. C'est-à-dire, on a l'éducation, au départ, l'éducation que nous avons reçue, on a construit en nous une banque image qui fait que quand je suis face à un phénomène, je vais naturellement dans la banque image que je suis parce que je suis déconnecté de la source à laquelle j'émane. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand on parle d'imagination, comme tous les mots, chacun va le percevoir en fonction de l'idée qu'il a de lui. Et bien sûr, c'est la source qui organise les choses comme ça. Mais dis quoi? La source donne le rôle à chaque individu par rapport à l'objectif qu'elle poursuit. Et on ne va pas te donner un imaginaire qui ne te permet pas de jouer ton rôle. L'imaginaire que la source va communiquer à l'individu, c'est pour pouvoir lui faire jouer un rôle. C'est à partir de là qu'on doit se poser la question, mais qui suis-je et quel rôle je joue?
Est-ce que je suis épanoui dans ce rôle-là? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si l'idée qu'on a de nous vient du Père, ces choses-là, on les comprend et on comprend comment les uns et les autres nous avons été bâtis, nous avons été construits, par des mots, mais surtout par des images. Parce que les mots ont leur sens, mais quand on les associe à les images, on oriente la compréhension de l'individu. Je me rappelle d'une anecdote que Luc aime souvent nous partager. Une personne lui a dit qu'il a vu, il a rêvé de Jésus. Vous voyez, il a rêvé de Jésus et Luc lui a demandé, mais de quel Jésus tu as rêvé? Celui qu'on voit sur les photos là? La personne a dit oui. Vous voyez, ça, je dis, ça se répercute même je dis, dans les rêves, ce qu'on appelle des rêves. C'est-à-dire, quand je viens partager avec quelqu'un au niveau des mots, cette personne n'est pas vide. Elle est pleine d'un imaginaire. Donc, quand je mets un mot, ce mot, je lui ai associé déjà à une image. Donc, il va me percevoir au niveau de la banque image qu'il est. Et au final, il ne me perçoit pas dans la profondeur de ce que je veux lui exprimer. C'est ça qui fait que les mots même sont limités. C'est pour ça qu'il faut entrer, il faut associer aux mots l'expérimentation pour que l'individu perçoive de quoi on parle au niveau des mots. Donc, je vais dire quoi? L'imagination ne peut pas être dissociée de ce qu'on va appeler la créativité au niveau de la société. Tournez les yeux, je veux dire, regardez n'importe où autour de vous, vous allez voir le fruit de l'imagination des individus. Les maisons dans lesquelles on habite, c'est l'imagination des architectes. Ça vient dans l'image de l'architecte et il le rend visible parce qu'il maîtrise les lois de l'univers par l'expérimentation, l'imagination et l'expérimentation, la science. Donc, je vais m'arrêter là et laisser la place à moi pour un développement plus poussé. Merci, Angélie. Merci, merci beaucoup Thierry du côté de Nkosoa pour ce développement très riche et ce rappel effectivement que la notion d'imagination va en droite ligne avec la réponse à la question « Qui suis-je ?». Donc on comprend d'après ce que tu nous as apporté comme analyse qu'il y a ceux qui reçoivent un imaginaire, qu'ils expérimentent et qu'ils arrivent à matérialiser. Et il y a la plupart des individus qui sont un stockage d'imagination, d'images, qui les met en action tout simplement pour accomplir une tâche, une mission que eux-mêmes ils ne perçoivent pas, coupée de la source d'inspiration. Merci beaucoup Thierry. Et comme tu l'as si bien dit, on va donner la place à Armand pour continuer le développement. Bonjour Armand. Bonjour Angeline et bonjour à tout le monde. Je vais continuer en prenant des exemples. Et d'ailleurs, quand nous utilisons ce terme « exemple », nous cherchons là à frapper l'imagination. Donc, prenons l'exemple du dessin ou du film. C'est le fruit d'une imagination. Quand je dessine ou quand un individu fait un scénario de film et le réalise, à l'arrivée, on a un film. Ce film peut être enregistré dans un support comme un DVD. Et d'ailleurs, on peut faire des coupes de différents films, les enchaîner et refaire, c'est-à-dire remanier en quelque sorte tout ça pour refaire un nouveau film ou une nouvelle vidéo. On peut recopier tout ça d'un support à l'autre. Et on peut transférer tout ça d'un endroit à un autre. Et vous voyez, nous sommes là en fait dans cet exemple de film, avec tout ce qu'on peut en faire, en train de donner à voir de quoi on parle quand on parle d'imagination. Le film, c'est une imagination enregistrée. Et vous voyez tout ce qu'on peut en faire. Et je pensais à un exemple de vécu. Je me souviens, moi, par exemple, quand je me lève la nuit pour aller aux toilettes, je n'ai pas besoin d'allumer la lumière. Tout est sombre. Mais, et c'est ça la puissance de cet élément-là, mais qui n'est pas le seul. Quand nous parlons, elle n'est pas décalée. Et c'est à ce titre-là que l'on parle souvent de revivre quelque chose en imagination.
Mais vous avez des situations à Montchalon ou dans un endroit de la planète. C'est quelque chose qui n'existe que dans l'imagination. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est vrai ou c'est pas vrai. Je suis en train de poser clairement, je pense que c'est, tout le monde en conviendra, que vous ne pouvez pas faire autrement que de l'imaginer, l'enfer. La même chose pour l'éternité, ou ce qu'on appelle l'au-delà. Donc, vous voyez là, avec ces quelques exemples, que l'imagination nous amène à franchir des frontières de ce que l'environnement nous, dans lequel l'environnement nous a enfermés. De la même manière, ça va nous amener à, dans ce qu'on appelle le passé. Beaucoup d'entre nous, quand nous parlons de la guerre de 14-18 ou la guerre de 45. Ben, c'est quoi pour nous, si ce n'est de l'imagination, qui nous a été communiquée par ce qu'on appelle les historiens? Et ça illustre ce que Thierry disait tout à l'heure. C'est-à-dire que nous réalisons que nous constituons un entrepôt d'images, d'imagination, ce qu'on peut appeler une médiathèque ambulante, qui a été confinée en nous. Prenez, lorsque quelqu'un parle de la mort, il imagine l'évaporation d'un individu, mais tout ce qui se passe après, c'est de l'imagination. Ça ne veut pas dire, là, que parce que c'est l'imagination, ce n'est pas ce qui est. Mais prenez trois individus différents, ils auront trois imaginations différentes. Mais il ne peut pas y avoir trois vérités. Vous voyez, on commence à rentrer là dans l'univers de l'imagination qui nous plonge dans un espace sans frontières. Ce qu'on appelle en mathématiques un espace de dimension infinie, où il n'y a pas de limite. Et quand vous êtes en train de regarder un film, par exemple, ou un DVD ou une vidéo, vous faites pause. Ben, vous pouvez, à ce moment-là, voir que vous vous attendez à ce qui va se passer, ce qui n'est pas encore déroulé à l'écran. Vous êtes en train d'imaginer la suite. Nous parlons là, dans cet exemple-là, de ce qui se passe par rapport à un individu qui pense à ce qu'il appelle son avenir. Donc, par l'imagination, nous promenons, nous naviguons, nous surfons dans le passé, le présent, le futur, selon le découpage classique du temps, qui en fait, ce ne se réduit qu'au présent. Et nous pouvons aussi nous déplacer géographiquement par l'imagination. L'imagination est cette faculté par laquelle nous nous affranchissons, en quelque sorte, de toutes les contraintes de l'environnement, de toutes les contraintes physiques, de toutes les lois de la physique dont Thierry parlait tout à l'heure. Je peux imaginer un individu qui a 10 pieds. D'ailleurs, et c'est pour ça qu'on peut le dessiner. Ben, pourtant, je ne pense pas que quelqu'un en ait déjà vu autour de lui. Mais ça n'empêche pas d'en imaginer un. Nous considérons toujours dans cette image de film-là, que je vais utiliser ici pour aller plus loin, il y a celui qui a écrit le film, l'auteur du film. Lui, il a imaginé le film à l'avance pour créer en lui des imaginations. Donc, vous voyez là l'économie de l'imagination. Il y a un producteur, il y a un consommateur, et le consommateur peut devenir à son tour un producteur pour d'autres. Mais dans cet enchaînement, il y a une hiérarchie que Thierry expliquait clairement tout à l'heure. Et cet ensemble d'images, cet ensemble de circonstances qui se constituent dans ce qu'on appelle un film, nous pouvons le voir aussi à travers ce que on appelle les jeux de paris. Quand les gens vont faire des paris sur des chevaux de course ou sur je ne sais pas quoi d'autre, sur des matchs de football, mais ils sont en fait partie prenante d'une imagination de ce qui va se passer. Et non seulement partie prenante, mais ils prennent parti. Et c'est pour ça qu'ils parient, en disant c'est ça qui va se passer. Vous voyez? Et donc vous voyez que par les paris, je souligne là la dimension qui a été transformée en marchandise de cette imagination. Il y a un marché de l'imagination. Oui. Bon, je vais m'arrêter là avec ces exemples. Et le premier point que je voudrais toucher ici, c'est que l'univers entier est comme un film imaginé par le créateur.
Tout là, tout ce qui est dans l'univers, quelqu'un l'a pensé, quelqu'un l'a imaginé, mais il ne l'a pas que imaginé, il l'a manifesté. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, le pouvoir de l'imagination, la capacité, c'est de par cette faculté non seulement à imaginer, mais à amener à l'existence, à la manifestation, ce qui a été imaginé. Si nous nous limitons à la sphère humaine, quand on parle d'imagination, on parle de quelque chose qui a des limites. On parle de quelque chose qui a, on va dire, ce qu'on appelle l'erreur. C'est-à-dire qu'elle peut demeurer imagination sans aucune capacité à passer au réel, à passer dans la manifestation. Parce qu'elle n'a pas de sens, elle n'a pas de cohérence en termes de manifestation. On verra des exemples tout à l'heure, d'ailleurs je vais en prendre un tout de suite. Je peux imaginer que j'ai trois voitures et que je la distribue à quatre personnes et que rien ne m'empêche d'imaginer ça. Vous allez me dire que ce n'est pas cohérent, mais vous n'allez pas interdire mon imagination de le faire et je ne peux pas interdire la vôtre. Parce que l'imagination est sans frontières. L'imagination, elle est extravagante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de contraintes particulières par rapport à la vérité, ni par rapport à la réalité. Elle est affranchie de cela. Et c'est en cela que certains ont voulu présenter ou vendre l'imagination comme une source d'erreur. Et ça a permis comme ça pendant une certaine période, n'est-ce pas, aux initiés. Ça leur a permis d'éloigner la masse de l'univers de l'imagination en leur disant c'est une source d'erreur, n'y allez surtout pas. Des gens comme Descartes et d'autres. Et donc, lorsque nous parlons des limites, quel est l'exemple? L'exemple, c'est que je n'en ai pas trouvé d'autre de plus simple pour l'instant. En mathématiques, on parle, quand on prend une droite, on dit c'est une dimension. Quand on prend une feuille, on dit c'est deux dimensions, c'est un plan. Quand on prend un cube, on dit c'est trois dimensions. Mais les mathématiciens les plus acharnés n'arrivent pas à imaginer ce que c'est qu'un espace à 4, 5, 6, 7, 8 dimensions. Mais 8, vous pouvez aller plus loin que moi, vous voyez, je m'arrête à 8. Mais vous voyez, l'imagination, à un moment donné, est limitée parce qu'elle est humaine. Mais quand nous parlions du Créateur tout à l'heure, s'agissant de l'univers entier, nous sommes là dans une notion qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelle l'imagination et que même certains initiés célèbrent. Le verbe célébrer, il célèbre au pluriel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, lorsque nous parlons de cette faculté-là, je vais juste vous citer une ou deux citations d'individus. Par exemple, cette citation est attribuée à Napoléon. Il dit « La logique est le refuge des gens sans imagination. Bon, » vous pouvez remplacer logique ici par morale, hein, c'est la même chose. Hein. En science, on appelle ça logique. Dans la société, on appelle ça morale. Donc, on est en train de vous dire « Tout ça, c'est pour le bas-peuple. » Mais les autres, les initiés, là, ils ne fonctionnent pas avec ça. Ils fonctionnent avec des ressources qui sont d'un niveau différent, qui n'est pas soumis aux mêmes limites, si vous voulez. C'est un peu ça l'idée fondamentale ici. Et donc, s'agissant ici donc de cette notion de limite, ça nous renvoie à ce qu'on va appeler la réalité ou la vérité par rapport à l'imagination. Je disais qu'elle est sans frontières, ça veut dire qu'elle prenait un dessin animé. Quand vous voyez des dessins animés là, qui sont faits notamment pour enfants, vous voyez quelqu'un qui tombe par terre, qui s'aplatit, et puis qui se relève comme un ballon, comme une bulle de plastique, et qui se remet à courir. Vous voyez, là, l'imagination fait ce qu'elle veut. Mais quand vous regardez ailleurs que sur cet écran de dessin animé, vous ne voyez jamais autour de vous ce que vous voyez dans le dessin animé. Mais voyez, Thierry soulignait tout à l'heure la puissance de ces images-là dans la construction de l'identité. Regardez tous ces enfants qui ont été éduqués avec Walt Disney, comment elles fonctionnent.
Elles sont le reflet, elles sont, n'est-ce pas, la manifestation de cette médiathèque imaginaire qui a été construite en eux, dont ils sont la personnification. Et Thierry nous a rappelé, n'est-ce pas, la formation ou la genèse de l'imaginaire qui commence dès le sein de l'enfant. Et il a souligné que ben, même ce sein-là dans lequel se trouve l'enfant n'est pas l'origine parce qu'il y a une source. En revenant à l'aveugle de tout à l'heure par rapport à ces notions-là, un aveugle, il fait des rêves. Eh oui. Voyez là, ça pose des questions. Il voit comment là dans le rêve. Il voit quoi? Ça veut bien dire que pendant qu'il est dans le rêve, il est dans cet univers où il y a un certain nombre d'images qui sont représentées en lui, dont les images ne passent pas forcément par les yeux naturels. Donc, on peut dire que l'imagination, c'est l'œil qui voit. C'est la faculté de voir dans les dimensions, n'est-ce pas, qui ne sont pas horizontales, qui ne sont pas du bas astral, dans la dimension de la verticalité. Et donc là-dedans, il y a une dimension hautement et profondément symbolique qui touche d'ailleurs au pouvoir, parce que l'imagination n'est pas séparée du pouvoir. Le même Napoléon disait que l'imagination gouverne le monde. Eh oui. Et nous vous en voyons la manifestation tous les jours. C'est quoi l'éducation? Thierry l'a expliqué. Je ne vais pas revenir dessus. C'est en fait transférer l'imagination dans les enfants. C'est ça l'éducation. Thierry nous l'a bien expliqué. La culture, c'est quoi? Prenons la littérature. Ben, y a des écrivains et des lecteurs. L'écrivain est d'un côté de l'imagination, le lecteur est de l'autre. Il y a le producteur et le consommateur. Le cinéma, c'est la même chose. Vous avez des cinéastes qui écrivent des films et puis vous avez des spectateurs qui vont les regarder. On est là dans cette économie de l'imaginaire, hein, qui a une dimension illimitée, sans frontières, comme on disait tout à l'heure, et dans lequel vont ceux qui ont les capacités à naviguer et à se promener dans cet espace, dans cet univers de l'imaginaire, un peu comme les commerçants qui allaient au loin chercher du sel qu'ils venaient revendre à ceux qui n'en avaient pas. Ceux qui ont ces facultés la plus développées sont capables d'aller puiser des images là où d'autres n'ont pas accès pour venir le leur proposer. Et donc, ils prennent de cette manière-là naturellement une position prépondérante dans la société. C'est incontournable. J'ai commencé avec la littérature, le cinéma. Je ne vais pas vous égrener tous les domaines que vous connaissez bien, n'est-ce pas? La peinture, la musique, tous les arts, si vous voulez. Et même prenez l'histoire. Quand un historien, Thierry parlait de sciences tout à l'heure, mais il a bien développé les sciences, je vais juste compléter. Prenez l'histoire. Quand on vient vous expliquer ce qui se passait en l'an 1000, mais ils ont fait comment? On est là dans l'imagination, sans aucune notion péjorative. C'est-à-dire que c'est cette capacité à aller récupérer dans cette sphère inaccessible à la masse un certain nombre d'images qu'on va venir restituer sous forme descriptive, par un discours, voyez, qu'on va appeler l'histoire du XVIIIe siècle, ou l'histoire de l'Antiquité. Quand les scientifiques vont sonder le contenu de la molécule ou des atomes, ou même plus loin du proton et tout ça, et que finalement ils finissent par se rendre compte que tout est quantique, qu'est-ce qui se passe? On est là dans cet univers de l'imagination qui a cette faculté, n'est-ce pas, à aller dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, mais les deux, n'est-ce pas, n'étant, comme je disais, que des maillons de ce film qu'on appelle l'histoire de l'archéologie. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie. Oui, c'est-à-dire l'homme, l'humain. L'anthropologie est la science qui est censée, n'est-ce pas, nous donner toutes les imaginations qui concernent l'humain. Oui. Et nous savons bien que mais la brique fondamentale, l'économie, il faut que chacun joue son rôle. Nous voyons. Et quelqu'un comme Einstein, il y a une citation dans laquelle il dit, n'est-ce pas, je la paraphrase à peu près,
il dit l'imagination est beaucoup plus importante que l'intelligence. Et d'autres lui font dire l'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance. Quand j'ai dit intelligence, quand j'ai dit connaissance, ben, nous parlons du créateur. Ben oui, l'intelligence, il n'y en a qu'une, c'est le créateur. Et il est en train de nous dire que l'imagination est plus intelligente, est plus importante que l'intelligence. Bien sûr, lui et nous, on ne parle pas la même intelligence. C'est pour ça qu'ici, il peut mettre l'imagination. Mais si imagination ici, comme je disais tout à l'heure, nous ramène à celui-là qui a imaginé tout l'univers et qui en a manifesté, n'est-ce pas, le déploiement, effectivement, nous retrouvons ici cette notion-là qui est que l'imagination est cette faculté, n'est-ce pas, de mettre en scène, de concevoir, non seulement de concevoir, mais de le manifester. De le manifester. Hein, c'est ça la dimension fondamentale. L'imagination n'est pas stérile, contrairement à ce qu'on va trouver, n'est-ce pas, dans la littérature, dans la société. On va dire aux gens, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, vous êtes libre, etc. Mais on les a préparés à l'avance, n'est-ce pas? C'est comme si on t'avait enfermé dans une bibliothèque et on t'a dit, tu peux lire les livres que tu veux là-dedans. Mais tu n'en as écrit aucun d'eux tu sais, et dont tu ne peux choisir que ces livres. Mais tu peux pas, mais tu n'as pas le droit de sortir de la bibliothèque. C'est ça l'imagination sociétale. Et la question qui se pose dans l'image de la bibliothèque, c'est qui a écrit ces livres? D'où est-ce qu'il trouve l'inspiration? Pourquoi m'a-t-on enfermé dans une bibliothèque? Pourquoi je n'ai le droit d'être qu'un imaginateur par procuration? Voyez? Le même Einstein dit, la logique, c'est-à-dire la morale, si vous voulez, sur un autre plan, vous amènera d'un point A à un point B, mais l'imagination vous mènera partout. Voyez, n'est-ce pas, ces initiés qui ont saisi l'importance de ce qu'ils appellent réellement, n'est-ce pas, la liberté. La liberté n'est pas dans les droits de l'homme. Elle n'est pas dans la Constitution. Elle est dans cette capacité, dans cette faculté qui, une fois qu'elle est développée en vous, n'est-ce pas, vous affranchit, n'est-ce pas, de tous les carcans dans lesquels la société a enfermé par la pensée, parce que la prison, elle est dans la pensée. Et c'est pourquoi la société pense que celui qui ne pense pas selon l'État, celui qui n'imagine pas selon l'État, est un danger, est une menace. Parce qu'il a accès à des univers, n'est-ce pas, qui procurent, n'est-ce pas, non seulement des images que l'État ne communique pas, mais qui surtout, lorsqu'elles viennent du Créateur, sont inséparables de la faculté de manifestation. Et c'est là que se trouve le pouvoir de l'imagination. Lorsqu'il vient du Créateur, il a ce pouvoir de se manifester. C'est ça le point fondamental que je dois souligner. Contrairement à l'imagination sociétale, qui, elle, est une sorte de libertinage qui ne dit pas son nom et qui, en plus, est une illusion. Parce que dans l'illusion, n'est-ce pas, il y a le mot « erreur ». Erreur de perception, erreur de jugement. C'est ça qu'on appelle l'illusion. Mais l'imagination qui vient du Créateur n'est pas de cet ordre-là. Et nous allons voir ici, avant de terminer, deux points. L'imagination qui nous renvoie à l'interprétation. Parce que quand vous êtes témoin d'un événement, quand vous êtes face à une situation, ben, vous recevez l'information que vous interprétez. Et c'est cette interprétation qui, ensuite, étant stockée en vous, constitue la mémoire de l'événement et participe à, donc à votre construction identitaire, comme Thierry l'expliquait tout à l'heure. Donc nous voyons que l'interprétation n'est pas séparée de l'imagination, parce qu'elle fait appel à la bande d'images qui a été stockée au préalable et elle participe à alimenter cette bande d'images. Et c'est par ce mécanisme-là, un peu comme une base de données qui se met à jour, que se fait la construction identitaire et que se délimite et se construit l'espace de l'imaginaire de l'individu par l'interaction au quotidien avec les événements et par le biais de l'interprétation qui, elle, relève de la compréhension.
qui, lorsqu'elle est immature, est sous-traitée à plus mature que soi. L'enfant va faire confiance aux parents pour l'interprétation d'un événement qu'il ne comprend pas. C'est ce que Thierry expliquait tout à l'heure. Et par cette faculté-là d'imagination, si elle est dénuée de discernement, je deviens la proie de la source. Si je ne sais pas discerner dans ce que j'imagine ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, je me retrouve dans la confusion. Eh oui. Et c'est ça le fonctionnement de l'humain. Et c'est pourquoi vous voyez tant de doctrines, tant d'idéologies, tant de religions fleurir et prospérer. C'est le fruit de l'imagination. Or, le propre de l'imagination qui ne vient pas du Créateur, c'est que il faut une autre imagination pour contredire une autre. Et vous avez du ping-pong entre imaginations, sans qu'aucune ne puisse vraiment s'établir plus grande que l'autre. Je me rappelle un article qui m'a été envoyé la semaine dernière de mon challenge, par Luc notamment, cet article dont on a parlé s'appelle « Histoire des illusions ». On pourrait appeler ça « Histoire des imaginations ». Et l'auteur de cet article, Jacques Attali, pour ne pas le citer, nous expliquait comment l'histoire de l'humanité n'est qu'une succession d'illusions, une nouvelle illusion en chassant une autre. Et à travers son écrit, il proposait comme fin de l'histoire de croire en une seule illusion qui était une espérance dans les générations futures. Ben, vous voyez comment l'imagination nous tient. Mais l'imagination, je souligne ici, telle que nous la concevons, c'est cela, cette faculté créatrice qui a donné à tout l'univers d'être manifesté et qui est inséparable de sa capacité à se manifester. Elle ne demeure pas simplement une imagination. Elle devient réalité. Elle se manifeste. Et avant de terminer, j'ai deux points, n'est-ce pas? Je voudrais ici souligner le rapport que l'imagination a avec ce que j'appelle je, le moi, le soi, n'est-ce pas? Regardez, n'est-ce pas, tous les individus publics. Ils ont maintenant ce qu'on appelle un conseiller en communication pour promouvoir leur image. Voyez? Mais n'oubliez pas, hein, dans imagination, il y a image. Donc, il s'agit là de construire dans le public l'image de cette personnalité, de ce personnage, dans la masse. Il faut donner à la masse, il faut construire dans la masse une image du personnage, de cet individu. C'est ça qu'on appelle promouvoir l'image d'une star, d'un homme public. Voilà, voyez ? D'un individu. Vous avez le même dans un registre différent mais parallèle, vous avez ce qu'on appelle la mémoire d'un défunt. Ben, il s'agit, n'est-ce pas, d'amener l'image de cet individu à traverser le temps au-delà de son évaporation et en obéissant à un certain nombre de canons. C'est ça qu'on appelle la mémoire du défunt. Voyez, on est en plein dans une économie de l'imagination. Et ce sont ces éléments-là qui vont déterminer ce qu'on appelle les racines de la culture. Regardez, dans tous les pays du monde, dans toutes les civilisations, il y a un rapport à la mort, un statut du défunt qui relève de cette dimension-là. On va traduire ça autrement. Si je ne sais pas la banque d'images qui a été accumulée en moi, je ne peux pas les mettre en mouvement, je ne peux pas me mettre en mouvement conformément à cette banque d'images. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir de cette imagination que je vais avoir de moi, c'est à partir de là que je vais imaginer les autres. Si moi, j'ai la colère, c'est à partir de là que je vais comprendre ce que l'autre appelle colère. Si moi, j'ai des maux de tête, c'est à partir de là que je vais comprendre ce que l'autre appelle maux de tête. La seule chose que je partage avec lui, c'est le vocabulaire. Mais moi, quand je dis maux de tête, ça renvoie à ma banque d'images. Lui, quand il dit maux de tête, ça renvoie à sa banque d'images. Et rien au monde ne me permet de dire si sa banque d'images et la mienne sont identiques. Absolument rien.
Et c'est ça le problème de la communication sociétale. C'est qu'on a affaire à des individus qui sont des banques d'images ambulantes qui n'ont pas d'intersection véritable au-delà de ce que la société a voulu mettre. Et ça permet comme ça de construire un noyau commun de banques d'images qui permet de donner aux individus l'identité, le sentiment qui constitue une seule unité, mais chacun ayant dans sa banque d'images des choses que l'autre n'a pas. Et c'est ce qu'ils vont appeler la variété, la diversité sociologique, biologique, tout ce que vous voulez, la variété. Et même, il va falloir la défendre dorénavant, puisque c'est devenu un des, comment on appelle ça, une des exigences de l'ONU, la diversité. Mais il s'agit là de cette diversité qui assure à la société sa pérennité. Cette structuration de la médiathèque humaine, chaque individu en étant une, en termes de tronc commun et d'image particulière, qui va d'ailleurs faire que moi, je crois que Jésus est blanc, toi, tu crois qu'il est noir, l'autre, il pense que les pharaons étaient de 3 mètres de hauteur, d'autres qui pensent que non. Chacun pense ce qu'il veut, et pour concilier tout le monde et permettre à tout ça de cohabiter, on va vous dire, ben les gars, c'est la démocratie. Chacun pense ce qu'il veut. Et puis, on va édicter d'autres règles. Mon sujet ici n'est pas de parler de la démocratie. Mais je reviens sur l'idée de soi. Donc, je disais, ça nous amène à concevoir l'image qu'on a des autres, et ainsi que l'image qu'on a de la société, que la société elle-même a construite en nous, d'ailleurs, dans les deux cas. Et donc, la question de fond ici que je veux toucher, c'est le rapport entre l'idée que j'ai de moi et ce que je suis réellement. Nous avons déjà parlé ici de l'idée de soi. L'idée de soi, c'est quoi? C'est une image. Oui, c'est l'image que Armand a de Armand. Voilà. Mais qui est Armand? Là est la vraie question. Lorsque l'image que Armand a de Armand correspond réellement à ce que Armand est, là, nous sommes dans le créateur. Parce qu'il n'y a pas d'erreur possible. Vous pouvez remplacer Armand par un autre prénom, le vôtre par exemple. La question est comment donc, lorsque j'ai cette idée de moi, qui est une imagination, n'est-ce pas? Je peux me retrouver dans cette situation très particulière, qui est la suivante. C'est-à-dire que j'ai une conscience de moi, mais je ne suis pas conscient, n'est-ce pas, de la source de cette image. Et je suis donc incapable de savoir si cette image-là que j'ai de moi correspond à ce que je suis ou pas. Et là, nous sommes en plein dans le rapport que Thierry soulevait tout à l'heure entre l'imagination et l'identité. L'imagination, elle est identitaire. Oui, parce que je suis cette somme-là, je suis cette banque qui a été constituée, n'est-ce pas? Et c'est cette imagination-là qui me met en mouvement. Quand je parle de mouvement ici, je ne parle pas de mettre un pied devant l'autre. Je parle de ma personnalité, je parle de mon caractère, je parle de mon comportement, je parle de mes désirs, je parle de mes aspirations, je parle de mes projets, je parle du but vers lequel je tends. C'est l'imagination qui alimente et qui est la substance, la matière dont est constitué tous ces éléments-là. Et donc, pour terminer, Andy, et je te rends la parole là-dessus, quelle est la source de cette imagination? Ben, l'imagination, c'est un langage. Rien d'autre. C'est un langage. Qui parle à travers ce langage? À qui est-ce qu'on parle à travers ce langage? De quoi est-ce qu'on parle à travers ce langage? Ben, Thierry nous l'a dit, on parle d'identité. Qui parle? Ben, c'est la source. Et nous savons que l'univers entier est amené à l'existence par celui qui l'a imaginé. Et à travers cet univers, qui est donc, n'est-ce pas, un ensemble qui est le fruit d'une imagination, celui qui comprend le langage de celui qui a imaginé cet univers communique avec celui-là, parce que c'est un langage. Je te rends la parole, Andy.
Merci, merci, merci beaucoup, merci. Armand. On rappelle que tu es du côté de Puto sur le plateau Skype. Merci pour ce développement très riche, très dense. Je pense qu'il faudra écouter, réécouter pour davantage entrer dans la substance. En tout cas, ce que moi j'ai pu relever par rapport à ce que tu as pu nous apporter sur le thème de l'imagination, c'est qu'il y a deux façons de voir l'imagination. Donc, il y a l'imagination réelle qui est cette faculté, ces facultés de conception et de matérialisation inhérents au créateur, à la pensée créatrice, qui utilise donc tout l'univers comme mode de langage pour communiquer et matérialiser la pensée qu'il est. Et puis, il y a le domaine de l'imagination au niveau sociétal qui est le plus souvent perçu, compris, et qui, à cette dimension, est hiérarchisé, est souvent et même limité, et qui a amené un commerce, une économie de l'imaginaire, une économie de l'imagination, avec des personnes qui puisent à une certaine dimension de leurs images, cette capacité de matérialisation, et une partie de la population tout en bas qui consomment ces imaginations et sont mises en mouvement sans même comprendre pourquoi et la source qui les inspire. Donc, merci beaucoup pour ce développement très riche. Et puis, le temps pour moi de surenchérir avec quelques commentaires qui sont sur le chat YouTube. Abraham Michael qui dit « Nous sommes tous le fruit d'une imagination, d'une pensée, normalement de celle du Créateur. Normalement. » Et il continue, l'imagination selon le modèle sociétal sous-entend la plupart du temps un idéal qui manquerait et qu'on aimerait atteindre, comme si le monde pensé par le Créateur ne l'est pas déjà. C'est pour ça effectivement que tu faisais le rapport entre, au niveau de l'imagination sociétale, entre l'imagination et l'utopie, l'illusion, qui finalement n'est pas réelle parce qu'à chaque fois, elle est supplantée par une imagination qui lui serait supérieure. Comme disait M. Jacques Attali que tu as cité, donc nous sommes dans un système bricolé faute de mieux, un système d'utopie bricolé faute de mieux. Donc, merci beaucoup. Et puis, il y avait un témoignage qu'on a reçu aussi en audio, qu'on va vous apporter, qui nous vient du Bénin de Parfait. Donc, on écoute son témoignage. Ouais, merci. Merci pour ce thème qui m'a inspiré, ce témoignage. Et encore, toutes mes excuses par ce bruit, parce qu'il pleut ici, là. Donc, j'ai tenu à apporter ce témoignage sur ce thème parce que j'ai vécu un événement avec ma petite fille de 3 ans qui un jour s'est réveillée et à 6h30 est venue me voir en pleurant en disant « Papa, l'argent que tu m'as donné est perdu. » Et je lui posais la question de savoir il s'agit de quel argent. Il me disait « L'argent que tu m'as donné d'acheter biscuit. » Donc, en observant, je poursuis avec lui en lui posant encore la question de savoir où est-ce que c'est perdu. Elle me disait que quelqu'un ne sait pas parce qu'elle était au lit, qu'elle s'est réveillée, n'a pas trouvé ça. Donc, je me rendais compte que c'était le fruit de son activité pendant qu'elle dormait. Et puis, ce sujet m'a mené profondément à une réflexion. Je me posais la question de savoir, est-ce que quand l'enfant était dans un état second qu'on nous appelle rêve, sommeil, est-ce que c'est de moi qu'il s'agit? Est-ce que c'est de moi qu'il s'agit? Non, ce n'est pas du moi. Le problème, ce qui se passe, c'est que comme notre compréhension imaginaire a été créée à partir des formes et des couleurs, donc, et que c'est la source qui l'a créée comme ça, lorsqu'on rentre dans un état second qu'on appelle sommeil, la source aussi fait prendre des formes et des couleurs pour pouvoir nous alimenter. Donc ici, ce qui est très instructif pour moi, c'est que je me suis mis à méditer, à chercher à comprendre et davantage, c'est quoi l'imaginaire? Est-ce que vous voyez? C'est quoi l'imagination? Donc, ce qui laisse que quand on a une compréhension créée par des formes et des couleurs, mais on est imagination.
Et ce qui est très important ici, que je retiens, c'est que, en fait, pourquoi l'enfant, lui, il s'est mis à pleurer? Pourquoi l'enfant s'est mis à pleurer? C'est tout simplement c'est parce que l'enfant est naïf. Il croyait que cet état d'activité dans lequel était, était le réel. Donc, quand elle va se réveiller, elle va venir me demander la réalité de ce qu'elle autre elle faisait là-bas, dans cette seconde. Donc, c'est moi qui comprenais qu'il était dans un état second, dans une fiction, dans l'imagination qu'elle veut amener pour voir dans la réalité. Or, ce qu'elle n'est pas réel. Ce qu'elle est en train d'être construit à partir des images, à partir de fictions. C'est ce que nous voyons. Donc, ce que l'enfant a fait, nous qui nous croyons par exemple majeurs, étant toujours petits dans la conscience, nous le faisons sous d'autres formes. Ça, vous voyez. Parce que si, par exemple, je prends un exemple, je me retrouve en face de manque de billets de banque qu'on appelle l'argent communément, et que je suis angoissé, ça veut dire que j'oublie que je ne suis pas, ce n'est pas que j'oublie, pardon, ça veut dire que je ne sais pas que je ne suis pas dans la réalité. Parce que la réalité, c'est la compréhension. La réalité, c'est la compréhension. Donc, si on a vraiment créé à partir des images et des couleurs, si notre imagination a été créée par des images, par des couleurs, et on ne peut pas ne pas s'angoisser, on ne peut pas ne pas se stresser, ne pas avoir peur, c'est ce que nous voyons. Or, si ce que nous représentons comme que la compréhension vient des créateurs, et on doit comprendre que les images sont la projection de la réalité. Et c'est tout, voilà. Merci beaucoup et c'est ce que je voulais apporter comme témoignage. Merci. Merci, merci beaucoup, parfait, pour le témoignage qui nous rappelle effectivement que, comme l'ont si bien expliqué aussi Thierry et Armand, que l'imagination, c'est le domaine de l'identité. Et la vraie imagination, la vérité, l'imagination, l'imaginaire réel, c'est le créateur. Donc, merci, merci beaucoup. Il y avait aussi un commentaire d'Olivier Carola qui disait « Exactement, l'imagination est liée à la compréhension. Identité, compréhension. » Effectivement. Donc, le temps de saluer aussi ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure sur le chat, puisque vous avez été très nombreux à au moins nous faire un coucou et apporter quelques commentaires. Donc, il y avait Anne-Francine Legrand, Omic Michel, Gladys Eco, Daniel Lelonga, Viviane, Frédéric Tano, Évariste, Famien, Yolande Elonga et Olivier Carola qui nous a fait le commentaire. Donc, merci à tous. Merci pour votre fidélité. On salue aussi tous ceux qui ne se sont pas forcément identifiés, mais que nous savons qu'ils nous regardent depuis Ibiza, depuis l'Allemagne, depuis Londres, depuis le Canada, depuis les Antilles, depuis les Amériques et certainement aussi depuis les pays de l'Est. Donc, on vous salue, on ne vous oublie pas. Merci pour votre fidélité. Et puis, comme vous le savez, pour pouvoir participer à ce que l'imaginaire du créateur qui s'exprime à travers les instructions que nous recevons puisse un maximum impacter, créer, se concevoir et se matérialiser dans un plus grand nombre, vous savez que vous pouvez utiliser les médias, puisque dans l'économie de marché qui a été si bien présentée, notamment par Armand, un des outils très importants utilisés pour procréer l'imagination et le permettre de matérialiser, ce sont les médias, ce sont les images, ce sont les vidéos, les audios. Et nous avons la possibilité d'avoir accès aussi à ces médias pour participer à créer un nouvel imaginaire, un imaginaire que nous pensons réel, nous croyons réel, venant du créateur. Alors, vous pouvez y participer, déjà en soutenant l'action Mon Chalon TV. On vous rappelle qu'il y a le lien Tipeee, entre autres, pour participer, notamment pour nous aider au niveau de la qualité des médias que nous transmettons et notamment améliorer peut-être la qualité de connexion afin que nous puissions à chaque
À chaque samedi, chaque émission vous apporter quelque chose de qualité. Et voilà. Et puis aussi, vous savez que vous pouvez, à votre petit niveau, simplement en likant, comme on dit souvent, en mettant le pouce « j'aime » sous la vidéo, en partageant, en vous abonnant, maximum, vous participez à la création, à la procréation de l'imaginaire réel du Créateur. En tout cas, c'est notre intention. Nous vous remercions pour votre fidélité et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles émissions. Au revoir!